Salut! Oh mon Dieu! J'ai de la misère à y croire, mais enfin, voici un nouveau vidéo. J'ai même pas osé regarder la dernière fois que j'en ai publié un parce que je sentais que ça allait me décourager. Mais si vous vous demandez j'étais où, j'étais ici, comme d'habitude, en pyjama, les cheveux tout défaits. Mais j'avais une bonne raison personnelle à disparaître. Et je vais vous laisser Ariel Sibzet vous l'expliquer. Je suis pas capable d'arrêter de rire. Un mélange de malaise à pu être habitué de filmer, puis un mélange de joie. Donc, en fait, c'est ça, comme vous comprenez, il y a d'autres choses qui ont pris de la place dans les dernières semaines. Et entre autres, j'ai été très, très fatiguée. Donc, moi, quand je filme tôt le matin pour que j'aie le bureau à moi tout seul. Ça me tentait plus. Mais là, l'énergie revient et ça me manquait. Écoute, pendant un mois, j'ai même pas joué aux Sims. Donc là, Par Sereine est de retour avec un défi de rénovation. Enfin, sans plus attendre, je vais vous faire visiter la famille et la maison et vous mentionner les limites ainsi que la date limite pour la construction. Je vous invite à faire la rénovation d'une maison familiale pour la famille des Flint. On a Marcus, sa femme Mélanie et leurs deux filles Céline et Laura. Qui a vieilli. What? Non, attends. Ah, c'est ça. Ça, c'est un bambin. Fine. OK. Bon Dieu. Avant d'expliquer le contexte, je vais juste passer un personnage à la fois pour vous donner de l'inspiration. Donc, je vous donne pas de contraintes de décoration en tant que telle, mais gardez en tête que Marcus, c'est son but, c'est d'être un super parent. Il est proche de sa famille, il est végétarien et c'est un rat de bibliothèque. Donc, je leur ai pas mis de carrière, donc ça, il y a pas de contraintes de ce côté-là. Sa conjointe, Mélanie, c'est une Sims aux multiples talents. Elle est créative, c'est un rat de bibliothèque, elle aussi, et elle est ambitieuse. Donc, peu importe ça va être quoi sa carrière, elle veut aller haut. Leur plus jeune, Céline, c'est un pot de colle, elle est timide, elle est craintive, plus c'est un déménagement, donc là, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude malgré elle. Et la belle petite Laura, dans le fond, elle est un futur prodige artistique et elle est créative. Donc, on se retrouve sur le fameux terrain du taudis des Marguerites qui fait 30 par 20. Alors, une des contraintes, ça va être de garder un terrain de 30 par 20. Vous pouvez prendre un autre terrain si vous le voulez dans l'autre sens, mais la taille va être importante à respecter. Pour un peu de contexte, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont acheté cette maison-là. C'était la seule maison qui était capable de s'offrir et en fait c'est qu'à la naissance de leur petite Céline, ils se sont rendus compte que ça c'était trop coincé dans leur appartement et en même temps, dans la même année, leur pauvre petite Laura a été victime d'une vague d'intimidation assez intense parce qu'elle pense pas comme les autres. Vu qu'elle est créative, elle s'amuse à s'habiller comme elle le souhaite. Bref, elle se démarque, ce qui n'est pas toujours une bonne chose au primaire. Ce qui a mené les Flint à déménager. On a ici la maison. Elle est vide. J'ai fait quelques délimitations de pièces. La maison, elle est free for all. Vous pouvez l'effacer, la modifier, l'agrandir, rajouter des pièces, enlever des pièces, rajouter un sous-sol, rajouter un étage. Pas de contraintes financières. Par contre, vous avez tout de même une contrainte assez importante selon moi. En fait, c'est que quand ils ont déménagé, une des grandes tantes de Mélanie a décédé et donc, ils ont regardé un peu le stock qu'il y avait dans son ancien logement. Donc, ils ont un petit, j'allais dire gazebo, mais c'est un cabanon. Ils ont un petit cabanon avec des items à placer dans la maison. Donc, dans le fond, quand vous allez placer la maison sur un terrain, je vais vous demander de la placer meublée parce qu'il n'y a pas de meubles hein, sur le reste, mais ça va vous permettre d'avoir cette pièce-là. Ce sont tous des objets du jeu de base et il faut absolument tous les utiliser dans la maison. Vous avez le droit de modifier la couleur si vous ne les aimez pas. Donc, tu sais, par exemple, le toutou, vous pouvez le mettre bleu ou vert. Vous pouvez changer la couleur des pots. Comme vous pouvez voir, c'est des meubles très foncés, un peu vieillots quand même. J'en ai pas mis trop. Moi, je pense que j'ai été relativement généreuse avec vous, mais c'est des looks qui fit peut-être pas avec votre idée de déco. Et il y a des choses comme l'espèce de butler que je sais jamais quoi faire avec cette affaire-là. Eux, pour sauver de l'argent, pour tu sais, ils ont quand même pris quelques meubles. Alors, ça va les aider à meubler leur maison. Donc, faut absolument les utiliser, ces meubles-là. Si je vois que vous les avez pas utilisés, je vais pas visiter vos maisons, en fait. Donc, il y a quand même quelques décos sur les murs avec des petites décos d'enfants qui auraient peut-être pris de leur appartement précédent. Voilà, donc c'est de faire attention. Si vous faites la réno avec une famille, donc je vais mettre la famille Flint dans ma galerie, vous avez à ce moment-là, quand vous construisez, moi je construis tout le temps des maisons avec un Sims parce que comme ça, tu as l'inventaire du foyer. Donc là, vous pouvez
prendre tous les meubles, les enlever, les mettre ici. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les oublier, de ne pas les manquer. On s'entend, je ne vous ai pas donné un énorme défi, surtout que je vous donne juste 2 semaines pour le remplir. En gros, c'est un terrain 30 par 20 dans n'importe quelle ville. Pas de contraintes financières. Les enfants peuvent avoir une chambre ensemble, si vous voulez. Donc, il faut absolument 2 chambres. Et il faut que je voie un certain souci pour respecter les personnalités. J'ai mis la famille Flint dans ma galerie, si vous voulez. Allez les télécharger. Eux aussi, ils sont seulement faits avec des vêtements et des accessoires du jeu de base. Il n'y a aucune contrainte de pack. Vous êtes obligé d'utiliser tous les objets du cabanon, sans exception. Je vais me faire une liste et je vais valider à chaque fois avant de partager votre maison dans ma prochaine vidéo. Comme d'habitude, s'il y a trop de participation, je vais faire plus qu'une vidéo. Donc, inquiétez-vous pas, je visite tout le monde. Et c'est pour ça que je vous donne juste 2 semaines. C'est parce que si je vous donnais 3 semaines, ça tombait à Noël. Et là, oubliez ça, moi, je ne filme rien pendant le temps des fêtes. Donc, si vous voulez vraiment une vidéo avant Noël, je vous donne jusqu'au 17 décembre pour participer. Comme d'habitude, on s'en tient avec le hashtag Renault Super Sirène 7 cette fois-ci. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire. J'y réponds tout le temps. Aucun CC, ça c'est sûr. J'avais oublié les dernières fois, mais dans mes vidéos de visite, je vais visiter pas par ordre de qui a participé le plus tôt, mais par ordre de ceux et celles qui ont participé le plus souvent à mes défis. J'ai un petit Excel. À chaque fois que je fais un défi de Sims, je coche vos pseudos. Donc, ceux et celles qui, ça fait plus qu'une fois qu'ils ont participé à mes défis, c'est eux que je visite en premier. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram, mon Simstagram, le Super Sirène Sim. À la prochaine!